Et bonjour à tous, bonjour, bonjour, on va faire un petit retour micro. Voilà, tiens, je n'ai pas allumé mes loupiottes. Ce qui devrait permettre d'être un petit peu plus visible quand même, mais oui, n'est-ce pas? On y voit désormais un peu plus clair. Bonjour et bienvenue, Captain Speaking, et bonjour Mouchou. Je suis ravi de vous accueillir en ce 25 février, il est midi 4. Nous sommes actuellement alignés avec la piste 22L. Hello 25. Hello 25, qu'est-ce que c'est que ça? C'était un emote qui n'est peut-être pas passé. Il est actuellement 15h01 avec un vent de 2 nœuds de 268 degrés. Et nous sommes donc, comme je le disais, parés. Hello, on est le 25, oui, c'est ça. Bonjour la vieille Pierre Rafa. Nous sommes donc prêts à décoller, comme je le disais, sur la piste 22L d'un aéroport que certains connaissent, qui s'appelle Métay. C'est un aéroport qui n'a pas fermé d'ailleurs aujourd'hui. Je ne suis pas sûr où il doit rester en mode aéroclub, mais les grandes lignes sont passées dessus. Je sais que Mouchou connaît et connaît très très bien. Tout le monde ne connaît peut-être pas. Moi, c'est un aérodrome que je connais de cœur énormément pour y avoir. Je n'y atterris qu'une seule fois, mais j'ai passé toute mon enfance dans la région. Nous sommes aux alentours du lac d'Annecy et nous allons partir survoler ce merveilleux endroit tous ensemble. On va se rallumer le son du jeu. On va essayer de se régler les choses propres. Tiens, j'ai pas rallumé ma cam, évidemment. Tac. Salut OSM, comment vas-tu? Alors, hop. On est almost parti. Flaps en position de décollage. On maintient les gaz. On lâche les freins. Et on est almost parti. On prend notre envol. Wouhou ! Ma ceinture est accrochée. Et attention, on arrive sur les 50 à 60 nœuds. On tire légèrement sur le manche. Rotation et airborne. C'est parti mon kiki. Nous sommes actuellement en l'air. On va commencer par un léger virage sur la gauche. Ne faites pas attention, hein, je vais absolument ruiner toutes les procédures de décollage qui existent au monde. On va faire un survol pas du tout autorisé de la ville à des altitudes qui ne sont absolument pas procédurales. Mais on s'en fout, là n'est pas la question. La question va être d'aller chercher cette beauté tout là-bas. Oui, je sais, normalement je suis monté beaucoup plus vite, beaucoup plus loin. Toujours plus loin, plus fort, plus vite, jusqu'au bout de l'extrême limite, voilà, pour les plus trentenaires d'entre nous qui ont connu cette série absolument dégueulasse. Et c'est-y par mon gaillard, le café est prêt. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, bienvenue à Annecy. Et je vous présente ce qui est encore aujourd'hui le lac le plus pur d'Europe, le lac d'Annecy, où j'ai passé toute ma petite enfance. Donc autant vous dire que je connais plutôt pas mal le coin. Enfin, je veux dire ça, mais vous allez voir qu'il y a la moitié des noms va complètement me passer à côté. Si tu es de la région, tu as déjà vu les cap... Les quoi? Les captans? Il est possible que je ne comprenne pas... Je ne comprends pas ce qu'il dit, le monsieur. Alors, vous avez une des plages ici. Alors là, vous avez le paquier, déjà. Première des choses, ceci est le paquier d'Annecy, c'est un immense... J'ai une alarme, mais je sais pas ce que c'est. Je sais pas, j'avais une alarme, mais j'ai pas compris ce que c'était. Bon, tout va bien. Donc, vous avez le paquier. Ici, vous avez ce qu'on appelle le trou de mémoire. La plage où on allait tout le temps. Il y a un vendeur de chichi là, qui se balade sur toute cette plage là à chaque fois. Évidemment, je ne vais pas y arriver. L'aérodrome de Métay à côté de mon hôpital favori. Captain. Les captains, la patrouille de voltige en couple sur cap. Ah non, putain, je savais pas du tout. Non, je ne connaissais pas du tout cette patrouille de voltige. On va juste refaire un petit virage avant de se bouffer la montagne. Et salut Nixonam, comment vas-tu? Albini, merci. Putain, voilà, mais j'étais sûr que j'allais avoir des trous de mémoire, c'était sûr. C'était sûr, à chaque fois j'ai des trous de mémoire alors que c'est des endroits que je connais par cœur, j'ai grandi là.
la plage d'Albini, donc voilà, messieurs, dames, qui est juste un de mes chouchous favoris. On va continuer, on va resurvoler le paquet et on va aller survoler la petite plage, cette fois-ci, des Marquisas, qui est juste par là-bas, derrière, là. J'y suis allé qu'une fois et toi, tu connais que ça. Mais oui, je connais que ça. Ils font un grand cœur sur le lac. Ah, putain, ça doit être génial. Ah, ça doit être génial. Il faudrait qu'on cherche... Il faudra peut-être potentiellement qu'on cherche des vidéos de cette chose-là. Ça doit être vachement intéressant. Donc, nous allons tranquillement survoler le paquier. Alors, sachez qu'ici, là, dans toute la partie paquier ici, vous pouvez louer des pédalos. Et vous pouvez aller vous balader en pédalo sur toute cette zone-là. C'est juste magnifique. Et ici, nous avons la plage des Marquisas, qui elle est vachement bien aussi. Un peu plus jeune, on va dire. Un peu moins familiale. Un peu plus d'ado, un peu moins d'enfant. C'est toujours plus... Voilà, ça dépend de ce que vous voulez. Ça dépend où vous voulez aller. Allez, il est midi. Capsfly est avec nous. Bien le bonjour à toi. Toutes mes salutations. Sollicitations. Toutes mes salutations. Cet homme ne s'est absolument plus articulé, tout va bien. Et nous voilà donc à entamer le survol du lac d'Annecy. Il fait quand même vachement beau. Je sais pas si je suis en condition réelle, là, on va aller regarder vite fait. Suis-je en condition réelle, monsieur? Dites-moi tout, moi tout. Hein, je sais, vous me l'avez faite déjà en direct. Météo en temps réel. Bah écoutez, la météo en temps réel est ma foi fort appréciable et fort agréable, hein. On dirait qu'on n'a rien changé. Donc autant vous dire que là on est sur du franchement palais glace. Est-ce que tu... Meilleur spot de parapente au sud-est? Ouais, j'en ai vu, on voit énormément de parapentes très régulièrement ici. J'en ai encore jamais fait, je pense que ça va être dans ma bucket list d'aller faire du parapente. Il faut juste que j'arrive à passer ma peur totale de sauter dans le vide, mais ça devrait aller bien se passer. Est-ce qu'on pourrait aller dans le golfe du Morbihan? C'est vraiment sympa. Ah ouais, tiens, pourquoi pas. On peut... moi j'ai spot pour aujourd'hui. Même pas que tu passes au-dessus de chez moi. Bah ouais, mais toi t'es à Aix-les-Bains, c'est un peu plus loin, Mouchou. Mais ouais, on va aller se faire ça, tiens, on va aller se faire un petit coup du golfe du Morbihan, tiens. Whisky Sierra, vous êtes en train de quitter ma fréquence, cassez-vous s'il vous plaît. Oui, d'accord, madame, on se casse. Allez, bisous, tchuss. Voilà, les communications radio absolument incroyables, pleines de, pleines de simulations. Et oui, on va très vite aller se faire ça, là, dès qu'on aura fait notre petit tour autour du lac. Est-ce qu'on grapperait pas un petit peu? Ouais, tiens, on va se faire un petit truc sympa, là. On va essayer d'aller grimper un petit peu. Je sens que l'avion est pas forcément le plus foufou du monde en termes de grimper. Donc on va y aller vraiment mollo. On va faire le tour de la montagne, là. Et puis derrière, on ira se laisser tranquillement redescendre. Joyeusement, tranquillement. Putain, mais cette vue! Mais cette vue! Nom de Dieu, de nom de Dieu! Je serais pas un petit peu en train de... Si, j'ai pas fait gaffe à mon vario. Du coup, hop, on reprend un peu d'altitude. On va légèrement passer en sous-vitesse. Hop là, est-ce que je sors les flaps quand même? Non, je ne sors pas les flaps. Bonjour, comment ça va? Mais cette vue, quoi. Cette vue absolument insane. C'est bas. C'est juste bas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? L'approche à Aix est sympa sur le lac. Ah, bon à savoir. C'est qui tu sais qui va être contente d'aller vers Quiberon? Oui, bah oui, bah oui, forcément, hein. Où Putain, vraiment cette région, c'est vraiment une région, mais qui est juste fantastique, quoi. Il y a juste pas à dire, hein. Ma yacht natale est juste magnifique. On va se laisser couler, là, on va aller descendre par là-bas, joyeusement, gentiment. Et derrière, on ira chercher notre petit golfe du Morbihan. Sur l'aéroport KDMA, il y a le cimetière des avions militaires américains, très impressionnant. Ah ouais, tiens, ça pourrait être intéressant de laisser faire ça.
Il va regretter de ne pas avoir déménagé ici. Pas trop de montagnes, pas trop de montagnes en Belgique. C'est vrai qu'il n'y a pas trop trop de montagnes en Belgique. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui manque un tout petit peu. Il faut le reconnaître. Allez, on va se laisser couler gentiment. On va piquer un peu du nez histoire de reprendre un petit peu de vitesse. Voilà. On y va vraiment mollo mollo sur les commandes. Hein. J'y vais avec un doigt. Hein. C'est vraiment pou 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 pou. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce petit survol dans la vallée là. Dans la vallée, oh oh, y a un M qui est très content. Dans la vallée, y a un M qui est en perte de vitesse et qui doit pousser le manche. Tout va bien. On a un trim qui est un petit peu fort sur le tirage de manche, mais c'est pas grave. Pas de montagne, mais il y a de la bière. Bah encore heureux. Tu crois qu'on est quand même, on a quand même pas déménagé sur la Belgique pour ne rien y gagner quand même. Heureusement qu'à la binouze. Non mais la blague. Non mais sans blague. Bon, voilà. Je voulais démarrer ce live sur voilà sur cette petite ville qui m'est chère à mon petit cœur, sur ce petit lac d'Annecy absolument magnifique. Et on va donc du coup aller prendre immédiatement les prochaines coordonnées du golfe du Morbihan. Pourquoi je suis dans les options? Mais non, c'est pas ça que je veux, moi. Dans le menu principal, tac. Sur ces bonnes paroles, d'ailleurs, on va aller chercher ça tout de suite. Oui, j'étais en train de regarder la forêt amazonienne pour savoir si ça valait le coup aussi. Donc sachez-le, je me suis posé la question. On ira peut-être un peu plus tard sur le live. On va aller chercher le golfe du Morbihan. J'avoue que niveau alcool, la Savoie Haute-Savoie, c'est pas ouf. Bon, on trouve un peu de chartreuse, mais c'est pas l'alcool que je préfère. J'avoue, c'est la raison du déménagement. Non, la raison du déménagement, c'est surtout quitter Paris. Quitter Paris et de pouvoir se retrouver sur des trucs quand même un peu plus sympathiques. Bon, ben bah voilà, Quiberon, Belle-Île-en-Mer, tout ça. On va peut-être commencer, là, en plein milieu. Puis après, on va aller voler tranquillement par là. On va survoler Carnac. Retourner sur Quiberon et puis on verra peut-être Belle-Île-en-Mer, c'est quoi les 5 bornes? Ouais, c'est pas énorme 5 bornes, on va démarrer de là et puis ça va aller tout seul. Ouais, on va faire une dizaine de kilomètres, une vingtaine de kilomètres à tout péter. Au pire, on accélérera le temps, c'est pas bien grave. Hop, hop, zut, hop là, on est parti. Est-ce que quelqu'un ne serait pas actuellement... Merde, pardon, j'ai perdu le fait d'avoir dézoomé, j'ai perdu le... Tac, définir comme point de départ. Est-ce que quelqu'un sait s'il fait beau actuellement tout de suite, temps réel? Bon, ça a l'air plutôt sympathique. On part sur le temps réel. Belle-Île, mais ouais, Belle-Île en mer. Et salut Towards for Gaming, comment ça va? Salut Jenny. Je reste pas parce que je dois vite aller chercher mes courses, mais j'aime bien ce jeu. Bah écoute, si tu n'as pas l'occasion de rester, tu peux parfaitement récupérer les VOD que j'ai décidé officiellement de déposer sur YouTube à chaque fois. Elles seront disponibles normalement en 24 heures plus 1, donc genre à 13h aujourd'hui devrait tomber la VOD d'hier. Et on essaiera de faire des roulements comme ça. Et puis, de toutes les façons, voilà, je suis en live tous les midis pour la pause-déj. Donc ça, c'est cool. Oh, il fait un peu grisaille quand même. C'est pas le temps le plus ensoleillé qu'il y a. Mais c'est pas dégueu. Non, ça, c'est la pause, Stéphane. Mais c'est pas mal. Sauf qu'on n'est pas censé aller vers le nord. C'est vrai qu'à chaque fois, j'oublie que monsieur Flightsim nous envoie toujours vers le nord dès qu'on démarre. Donc on va tranquillement partir, joyeusement, pépéreusement, vers l'ouest, vers la mer, vers l'océan. Salut gaming, yo, bah tu te crashes. Oh, on va essayer non, hein, on va essayer non. Oh, il fait pas assez beau, là. Oh, je suis un peu tristou, je trouve, là, le petit golfe du Morbihan, alors qu'il fait tout gris. Bon, on est d'accord, hein, c'est les températures, enfin, c'est un truc qui est assez... On va mettre quelques nuages. Voilà, c'est quand même plus sympathique sur quelques nuages. Voilà. C'est quand même plus sympatoche. Allez, on est reparti. Et nous y revoilà. On va quand même se mettre la petite carte VFR sur le côté, histoire d'être sûr de savoir où on va. Voilà, normalement, on avait dit, voilà, la presqu'île de Quiberon qui est par là. On devrait avoir Belle-Île-en-Mer qui est là-bas. Donc voilà, on a la petite carte VFR qui va bien.
Pour retrouver les VOD, tout à fait, merci, merci beaucoup Mouchou, effectivement, il y a, j'ai essayé de faire les choses bien, j'ai créé complètement une playlist complète qui permet de récupérer toutes les VOD depuis qu'on a créé le petit rendez-vous la semaine dernière, il y a deux semaines, peut-être. Écoutez, c'est fort sympathique cet endroit-là. Bon, ça lagouille un petit peu là, visiblement le PC est comme qui dirait un poquito MPLS. Ah, mais en même temps, je suis un peu con. J'ai le retour aussi qui est allumé. J'ai le retour qui est allumé ici, qui sert un peu à rien de 320p. Je pense que ça suffira largement. C'est très bien que ça va encore un petit peu pour rien. Putain, c'est beau. Hein. Ah, on est quand même, sur de la belle beauté. Hein. On a quand même des choses qui sont assez impressionnantes en France. Il hein. Y a pas à dire. Là, on est sur du survol de qualité. Hein. On est sur la main là. On est sur. On est sur de la géographie qualitative avec de la très très grosse qualité. Ah la vache. Qu'est-ce que c'est beau, putain. Ah, on serait pas un petit peu en train de piquer du nez là ? Ouais, on va se super détendre, monsieur, le piquage de nez là. On va trimer un petit peu. Ça, c'est la vraie problématique de la vue extérieure. Bah, c'est qu'en fait, on se rend pas forcément compte de où sectique on va où en termes de direction. Donc t'as intérêt à avoir le nez bien bien sur ton vario en bas à droite là. C'est la shitty flûte. Merci pour cet instant shitty flûte. alors du coup, attendez, parce que du coup j'ai raté le truc. Si jamais pour une carte Nvidia, désactive la V-Sync in-game et utilise celle du panneau Nvidia, la version rapide si tu as. Il faudrait que je regarde, normalement toutes les V-Sync, j'ai tendance à les désactiver joyeusement parce que, bah, parce que je m'en fous. Donc il faudrait effectivement que je regarde ça. On va peut-être accélérer un petit peu le temps histoire d'aller jusqu'à jusqu'à Quiberon rapidement. Du coup, merci beaucoup, évidemment, merci beaucoup pour le host Swords for Gaming, ça fait très 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 plaisir. Allez les follow, là, je veux voir le crâne rasé. Comment tu vas, Poipois ? Ça va ? c'est encore ? Mais qu'est-ce qui se passe-t-il ? Je voyais pas le tuyau. C'est Rafa du coup qui lance son shitty flûte aussi. Merci beaucoup pour le host. On va juste accélérer un tout petit peu le temps. Enfin, un petit peu. Vite. Et hop là, bonjour. On ralentit le temps. On ralentit, s'il vous plaît. Voilà. Bonjour et bienvenue, Quiberon. Alors attendez, du coup, comme je suis un peu vite, personne ne pense à moi pour le crâne rasé. Je vous rappelle que je vis avec. Ah, mais tu connais, chouchou, tu connais, c'est pas la première fois que je me rase le crâne. Double shitty flûte. Ah, ouais, non, mais cette, shitty flûte, elle est merveilleuse pour rien au monde. Pour rien au monde, je viendrai supprimer cette shitty flûte pour les hosts. Je trouve ça absolument génial. Et donc voilà, nous voilà sur la presqu'île de Quiberon, joyeusement. C'est sûr que si je fais ça, ma chérie me tue. Ah bah oui, mais tu m'étonnes. Mais en même temps, Poipois, t'as vu les cheveux longs que t'as aussi. Ce serait carrément un crime de couper tous ces cheveux ultra longs, là. Bon, du coup, bienvenue à Quiberon. C'est vrai qu'elle a de la gueule, hein. On va survoler un petit peu les plages, là. Ça m'a l'air assez sympathique. On va perdre un peu en vitesse. On va réduire les gaz, gentiment, joyeusement, on va finir notre virage. On va s'aligner un petit peu avec les plages, là, on va laisser tranquillement descendre l'avion. Voilà, Vario à moins 500, très bien. On va se laisser couler gentiment, joyeusement, on va prendre le café en attendant. Il a tenté aussi les cheveux longs. Ouais, j'ai tenté les cheveux longs aussi, fait d'une époque, c'était pas excessivement fou. Faire du voilier l'été dans le golfe, c'est incroyable. Ouais, bah écoute, Nixo, moi j'y suis encore jamais allé, j'avoue. Mouchou qui a la frangine, avec la maman, ils sont allés plus d'une fois. J'avoue que c'est quelque chose, moi, que j'aimerais vraiment bien faire. Aller dans le golfe du Morbihan, un de ces quatre. Le problème, c'est que si je loue un voilier, il faudrait que j'ai quelqu'un avec le permis bateau, parce qu'évidemment, je ne l'ai pas. Mais peut-être que Morgane, un jour, la meilleure amie, peut-être qu'un jour elle passera son permis bateau et qu'on pourra louer des choses intéressantes et puis aller partir en vadrouille au milieu du golfe
pour aller taper le soleil joyeusement. Parce que c'est vrai que c'est quand même magnifique. Hein. Je vais chercher le petit bonhomme, le nourrir, etc. Ça marche, poids. Plein de gros bisous. Et évidemment, des bisous à Jenny également. Et repassez quand vous voulez. Vous êtes bien évidemment les bienvenus. Quoi, on t'a jamais emmené? Bah non, hein. Dernière nouvelle, alors à moins que je dise une énorme connerie, hein, mais je crois bien que Kibron, j'y suis jamais allé. Hein. C'est un petit peu votre destination de votre destination phare de vacances, hein, mais moi j'y suis jamais allé. Ça a de la gueule quand même, hein. On est quand même bien là. Hein. On est quand même bien là sur cette presqu'île de Kibron là. On va se refaire un petit virage des familles. Bon, qu'est-ce qu'on a dit qu'est-ce qu'on a dit après le Morbihan, les loulous? Qu'est-ce qu'on avait dit? Est-ce que. Je vais essayer de remonter un petit peu le chat là, hop là. Un petit coup de palonnier un petit peu malheureux comme on dit. Hein, on va juste se trimer un peu l'avion histoire qu'il se barre pas pendant que je mets les mains sur le chat. Voilà. Voilà, le trim n'est pas dégueu là. Il reprend un petit peu d'altitude tout seul, on va arrêter la trim. Voilà. Non, c'est vrai, j'aime bien son mot. Tiens, VDS73. Eh ben écoutez, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu ce pseudo arriver sur le live. VDS73. Bonjour maman. Et oui, la maman arrive sur le stream. Quand on vous dit que les mamans sont toujours les meilleurs supporters de leurs enfants. Ushuaïa pour le fun. Ah mais oui, c'est vrai, on avait dit l'aéroport KDMA pour le cimetière d'avion militaire américain. On va aller faire ça. On se fait le cimetière d'avion et juste après on ira taper Ushuaïa effectivement parce que petite douche quoi. Ushuaïa. Donc maman quand même, pendant que tu es encore là, hein, je te fais juste un petit tour de caméra. Tu dois reconnaître un petit peu l'endroit. Hein. On est à Kibron. Donc coucou. Je suppose que c'est pour ça que Mouchou t'a peut-être envoyé un petit message ou un truc comme ça. Nous sommes actuellement en train de survoler Kibron, ton lieu préféré de vacances. Donc petite dédicace à ma maman, des bisous. Ushuaïa égale douche. Ah non, mais moi je suis cliché. Hein. Moi j'ai grandi avec les pubs Ushuaïa. Donc forcément, je vis des clichés, mais évidemment... Hein. On va se retrouver sur Ushuaïa, non pas pour prendre des douches, mais pour aller découvrir cette terre magnifique. Oh, c'est beau, ça. Eh, qui c'est qui a une piscine, là? Oh, le domaine. Vous avez vu la gueule du domaine? Ça a l'air immense, quoi. La piscine, mais en fait, la maison avait l'air juste incroyable, aussi. Bon, bah voilà, on est arrivé au bout du monde. Regardez-moi ça. Ça y est, on y est. Hop là, bout du monde. Allez. VDS 73 parce que né en 73, je suis de 72. Ah non. 72, ah la vache. Je crois que c'est l'une des rares fois où je croise quelqu'un de plus vieux que moi sur Twitch, dis donc. Je suis honoré. Je suis honoré et impressionné. Ça me fait plaisir. Alors, donc, on a dit KDMA. C'est parti, mon kiki. Hop, tac. KDMA. Base de l'Air Force Davidson Montant. Tiens, il y a l'aéroport international de Tucson juste derrière. Donc, nous sommes pas loin du Texas, si je ne dis pas de bêtises. Conditions de vol. On va juste dézoomer un tout petit peu, histoire d'avoir, savoir si on est de jour ou de nuit. On se met donc du coup en pré-réglé. Hop, on va se mettre... où est-ce qu'elle est le... Pourquoi je vois pas le... Voilà, tac. On va se mettre au petit matin. La météo en temps réel a l'air plutôt pas mal. Vu comme ça, là. Ta maman est quand même plus vieille que toi. Oui, j'ai pas dit que c'était la première fois. J'ai dit que ça n'arrivait pas souvent. Alors, on va se détendre. Hein. Alors, si on veut être sûr, c'est, on va les regarder vite fait sur... donc, c'est la base de Davis Mountain. Hop, base Davis Mountain. Hop, voilà. Donc là, on va regarder quand même comment est orienté le... Oh la vache, Airplane Boneyard. Putain, ça va être monstrueux. Donc, si ça, c'est la base, donc l'aéroport de Tucson est ici, d'accord. La base, donc ça veut dire qu'elle est en plein nord.
Donc on va pas être obligé de décoller, on va pas être obligé de décoller, on va partir légèrement du sud, sachant que Microsoft Flight Simulator a tendance à nous ramener tout le temps vers le nord. On va aller se mettre légèrement au sud. Voilà. D'ailleurs, on l'a là, l'Airport Graveyard. On va se mettre par là. On va définir comme point de départ. On va se prendre un avion très 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 léger, de manière à pouvoir rotater autour de ce joyeux bordel. Tac. Et on est parti. Voilà. Et salut Nikros, comment tu vas? Comment ça? Mais il y a plein de monde sur ce Twitch aujourd'hui. Ça fait plaisir de vous voir tous là. Incredible. Attendez, je crois que. Je sais pas s'il y a un bug sur Twitch là. On est en train de me dire. Salut Oudou! On est 7. Ouais, moi j'ai mon compteur qui est en train de me dire qu'on est 18. On a à peu près jamais été autant sur ce live. Environ. Donc, merci, merci. Merci à tous ceux qui sont là. Captain is speaking. Welcome aboard, guys and ladies and gentlemen. Nous sommes donc partis pour le cimetière d'avion. Le cimetière d'avion aux États-Unis. Aux États-Unis. Je suis en retard, ma réunion a fini plus tard que prévu, je suis deg. Bah, figure-toi que je devais avoir une réunion de 11h à midi et j'avais prévenu sur Twitter en mode bah, je suis désolé, il y a moyen que je sois un petit peu à la bourre parce que les réunions, bah, on connaît tous, hein, ça finit toujours à peu près jamais à l'heure. Et bah, il se trouve que la personne avec qui j'étais censé être en réunion ne s'est pas présentée, donc bah, à un moment, je dis bah, voilà, donc, finalement, on a démarré quasiment tout pile poil à l'heure. Et ça, c'était chouette. Et on est parti, mon kiki! Le cimetière d'avion devrait donc être à peu de choses près, pile poil devant nous. C'est ça là? Attends, ça c'est quoi? C'est la piste ou c'est la. Oh, j'ai du mal à. Merde, je trouve pas mes repères. Qu'est-ce que. Ah, attendez, bougez pas, on va juste faire un truc à la con histoire d'être sûr. Ah, mais si, la piste est devant là-bas. Ok, si, on y est, pardon. La piste est là, juste devant là. Donc le cimetière d'avion devrait être là normalement. Oh, je suis peut-être parti d'un petit peu loin. Mais c'est pas grave, on va y arriver. C'est quand même mieux le midi, c'est plus calme que les mercredis soirs. C'est vrai qu'hier soir, on était un petit peu dans le mal quand même. Je vous cache pas qu'hier soir sur Alan Wake, c'était un peu la flip. Mais c'était rigolo quand même, c'était fun. Donc voilà, là, c'est que le midi, c'est quand même un peu plus calme. On est sur un modèle d'émission qui est un petit peu plus chill. On flippe moins, ouais, c'est ça. Ouais, j'ai vu du coup effectivement Caps que l'aéroport était là. Et normalement, ah bah tiens, regardez, on en a déjà là sur la droite. Hop, on voit. Attendez, je règle un peu le truc là. Voilà, on commence déjà à avoir quelques avions là. Alors les plus gros là, on a normalement, si je dis pas de conneries, on a des C5 Galaxy là qui doivent traîner, qui sont quand même à peu près les plus gros parmi les plus gros avions. Je vais pas dire le plus gros avion parce que je suis pas tout à fait sûr aujourd'hui. Mais ça fait partie des plus gros avions militaires qu'il puisse y avoir, les C5 Galaxy. C'est des gros porteurs absolument immenses. On peut même foutre des tronçons d'avions et des morceaux d'hélicoptères et des chars dedans. C'est un truc de. C'est pour là. Pour ceux qui sont pas habitués, c'est très 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 ouf. On est où du coup ce midi? J'ai oublié son petit nom, mais on est sur un cimetière d'avions militaires américains. Qui est juste à côté d'une base, une base aérienne qui est à côté de l'aéroport de Tucson, si je ne dis pas de bêtises, au Texas. Et c'est un truc qui est assez immense. Bon, là, c'est dommage, c'est pas assez bien modélisé. Donc, on va pas descendre trop parce que vous voyez, c'est tout plat, hein, c'est de la texture superposée. Mais voilà, c'est un immense cimetière d'avions militaires où en fait, ce sont que des carlingues, ce sont des avions déclassés. Et là, on a. Oh putain, on a des A10 ici. Non, c'est pas des A10, ça j'ai cru, pardon, excusez-moi. Ça ressemble quoi? Ça ressemble plus à des Greyhound qu'autre chose. Le 2, j'ai cru que c'était avec la queue derrière, mais problème d'échelle. Là, je pense qu'on a des Hercules ici. Là, les quadriturbines. On a quand même pas mal de, on a quand même pas mal de choses là. Quand tu crashes, t'as peur qu'une fois. Bah, le problème, c'est que tu peux crasher plusieurs fois en fait dans la vie. Donc, ça dépend de la rugosité du crash. Plus en mode voyage, et maintenant vous avez tous la chanson dans la tête. Non, je n'ai pas la chanson dans la tête, non, je m'y oppose, je m'y oppose. Voyage, merde. Plus loin que la nuit et le jour. Voyage. Et hop, nous venons de chuter à deux spectateurs. Je déconne.
Donc, alors, attendez, bougez pas plus loin que le jour et la nuit. AN-226, encore plus gros. L'AN-226 est encore plus gros que le... Hey, F-16. F-16 en dessous. Putain, mais il y a tant de F-16 que ça. Oh, mais c'est un truc de fou. Bon, en même temps, quand tu sais que le F-16... Là, des F-4. Attends, où est-ce que je les ai vus? Non, j'ai pas vu des F-4. Je croyais avoir vu des F-4. Oh, excusez-moi, j'ai rêvé. Le F-16 est quand même l'avion militaire le plus vendu au monde, je crois. Donc, c'est quand même... Il y en a quand même une tartichier. Ça, c'est encore des F-16, pas sûr. C'est un peu dégueu, là. C'est un peu compliqué de savoir ce que c'est, mais bon. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le vol à destination de Crashville. Salut gosse, comment tu vas? Veuillez vérifier que vos ceintures de sécurité sont bien attachées avant le crash, merci. Mettez-vous en position latérale de sécurité. Ah, ils sont très bien rangés. Non mais c'est en vrai, c'est vraiment incroyable. Là, le vol qu'on est en train de faire lui rend presque pas hommage, dans la mesure où c'est vraiment hallucinant. Ça s'étend sur des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. Et c'est des carcasses alignées comme ça sur vraiment des bornes et des bornes, quoi. Et juste un petit bonjour, bon live, même ça marche, mon petit ghost, des bisous. Plein des bisous. Du coup, il est déjà 12h34 avec tes histoires. Donc, après Annecy, après le golfe du Morbihan et après le cimetière d'avion du Texas, on va pouvoir aller joyeusement faire un tour sur une destination un peu plus ensoleillée. On va aller à Ushuaia. Pas l'émission, hein, déconnez pas. Hop là. Allez, on est reparti. Menu principal. Zou, roule ma poule. On va déjà commencer par s'allécher les babines. Ushuaia. Terre de feu, Argentine. Nous y voilà. Alors, nous sommes donc... Hop, voilà, hein, on est vraiment sur la pointe sud de l'Argentine. Le bout du bout du bout. Est-ce que je dis une connerie si je dis le bout du bout de la cordillère des Andes? Non, même pas. En plus, je crois que la cordillère des Andes s'arrête avant. Je suis pas sûr. Si, je crois. J'ai le doute. Je ne sais plus. Si quelqu'un est meilleur que moi en géographie, qu'il n'hésite pas à me corriger immédiatement. Et puis, alors attends, qu'est-ce qu'on a là comme. Sur 5 bornes, ça fait, d'accord. On va démarrer. Ouais, bah, je pense qu'on va démarrer tranquillement par là. On va démarrer au niveau du sommet, là. Puis on va tranquillement se laisser couler vers. Vers l'ouest, voire vers le sud, où on part de là, sachant qu'on sait pertinemment que on va partir de là, sachant que Monsieur Microsoft Flight Sim nous envoie toujours vers le nord, on va démarrer de là, puis on va survoler le parc national de la Terre de Feu, et ça va être très bien. Faisons cela, n'est-ce pas? Hop. À plus, mon loulou. On va dire bonjour à Nicolas. Ben ouais, hein, Mr. Yulo. Et hop là, tac. Définir comme point de départ, on est parti. On va dézoomer un petit peu. Est-ce qu'on est sur des températures? On est sur des météos en temps réel qui m'a l'air pas dégueu. Eh bien écoutez, il y a l'air d'y avoir du vent quand même, du vent et du nuage. Hein. On est parti. Tiens, je me rends compte que j'ai pas mis de musique. Est-ce que vous vouliez de la musique? Dites-moi tout, est-ce qu'on se met notre petite playlist jazz habituelle? Ou est-ce qu'on se laisse juste avec le son du jeu, tranquille ou pépouze? Dites-moi tout. Ah ouais, la map, il se moque pas du monde. Erreux. Ah ouais, non, mais la map, c'est vraiment c'est le monde entier qui est modélisé, hein, sur Flight Sim 2020. C'est pas de la gnognotte, quoi. Oh là! Visibilité 3 nautiques 36. Ah ouais. Ah ouais, non, ça va pas être foufou, ça. Ah ouais, non. Ah ouais, non, là, on est en mode purée de poids, ça va pas le faire. Bougez pas. Tac. Viens ici, toi. Laisse tomber. On part en météo dégagé. Clac. Putain, on a déjà du givre. On a déjà du givre. Oh la vache. Oh la vache, comment c'est beau. Ah ouais, là, on est sur quelque chose... Là, on est sur de la déco qu'on voit du pâté, là. Là, autant vous dire qu'on est sur quelque chose de vraiment pas dégueulasse, hein. On voit rien, ouais non on voyait rien effectivement, ouais, sur la partie un peu, dès qu'on a allumé le truc là, on s'est bien rendu compte que très vite, c'était un peu la mierda de chez mierda. Mais là, ça va déjà mieux, hein. Là on est déjà quand même pas mal sur une zone qui est quand même franchement pas dégueulasse, hein. Je pense qu'on a bien fait de faire Annecy d'abord. Du coup, tu vois, c'est d'un point de vue échelle, tu vois, t'as Annecy,
putain, Ushuaïa après. Ah non, putain, c'est juste magnifique, quoi. C'est limite, là, je me dis que j'aurais peut-être dû prendre un avion un peu plus rapide. Parce que là, on va clairement, je pense pas qu'on va descendre. On va avoir des survols un peu plus. Putain, qu'est-ce que c'est beau, la vache, c'est beau. On aurait pu avoir un petit survol un peu plus conséquent, on va dire. Oh là là là, avec les petites îles de partout, là, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue, c'est magnifique, quoi. Oh, tu m'embêtes avec l'indicateur de cap à chaque fois, là. Laisse-moi tranquille. Mais là, moi, ce que j'adore, c'est ce bout un petit peu, là, qui se détache complètement de la montagne, là. Franchement, je sais pas ce que c'est, si c'est de la roche qui est complètement différente ou de la roche volcanique, peut-être, je sais pas trop. Mais c'est juste incroyable. Ce plan-là, il est juste magnifique. Ushuaïa Nature, tu fais ça en dessin. Mais ouais, grave, Chouchou, tu peux peut-être faire ça en dessin. Ce concept, refaire en dessin les paysages qu'on a vus le midi. Tout est lié, tout est connecté. Mais oui, tout à fait, bon sang. Ah mais c'est juste incroyable. C'est juste incroyable, ces décors. Là, on est vraiment sur un truc... Et vraiment, que tu regardes devant ou que tu regardes derrière, t'es vraiment pas dans les mêmes décors. Et c'est juste super. Est-ce qu'on s'arrêterait pas 30 secondes pour se faire un petit screenshot des familles, là, les loulous? Regardez. Hop, on va basculer vite fait en mode vitrine. Tac, on va s'allumer la manette. On va avoir les commandes sympathiques. On va enlever ce fameux message qui est saoulant. Et on va se faire des petits inceptions. Inception de concept Twitch, les gars. Allez, monsieur, on se réveille. Dès que t'es disponible, tu me rappelles. Hop, ça y est. Alors, est-ce qu'on se ferait pas un petit screenshot? D'ailleurs, on va se faire un petit screenshot qui sera... vous savez quoi? On va le faire comme ça. Et je pense que ce sera le screenshot de la VOD. Ça me paraît pas mal comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? On va mettre l'avion un peu plus haut, comme ça on va descendre. Tac. Qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que ça vous va? Est-ce que ça vous va comme ça? Quito est magnifique aussi. Je connais pas du tout. Faudrait qu'on aille voir. T'es où ce midi? Bah écoute, là, on est à Ushuaïa, mon petit Toto. Comment tu vas? On est à Ushuaïa. On va se prendre le petit screenshot qui du coup sera le screenshot de la vignette YouTube. Allez, enlève-toi le. Oui, c'est bon. Tac. Et hop, imprime écran. Bienvenue à Ushuaïa. On est reparti, on revient se mettre joyeusement sur la vue externe, paf, on enlève la pause, et nous y revoilà. On était effectivement, donc on a fait quoi aujourd'hui? On a fait Annecy, ensuite on a fait le golfe du Morbihan, ensuite on a fait le cimetière d'avion à côté du Texas, proche de l'aéroport de Tucson, et là on est donc sur du coup à Ushuaïa. Et quelle heure il est? Il est midi 41, qu'est-ce qu'on a dit du coup? Quito. Je voulais jouer, mais j'ai une image de 20 gigas. Oh l'horreur! La nouvelle saison? Ah bon? Ah, Flight Sim! Ah, mais oui, à Flight Sim, du coup, oui, il y a eu la mise à jour. Si tu l'as pas lancé depuis longtemps, il y a eu la mise à jour du. Comment ça s'appelle? Je vais y arriver. C'est la World Map. La mise à jour World 3, où effectivement, il y avait vraiment masse de nouveautés. Donc à chaque fois qu'il y a des grosses mises à jour comme ça, ouais, elles sont massives, quoi. Et attends, j'ai vu un message, dire que j'avais proposé Ushuaïa juste pour rire. Bah ouais, mais non, hein. Non, 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 c'est le principe même de l'émission, les gars. Vous êtes les copilotes, vous choisissez les destinations. Et franchement, ça a de la gueule. Merci pour ce choix, Ushuaïa. Et en même temps, il y a tellement de lieux sur Terre qui sont juste incroyables que prendre un pour des plombs, faire le tour, hein. C'est un truc de dingue. Allez-y. Donc, on a dit qu'on allait tester, parce que je ne connais pas, Quito, Verbier, en Suisse. Ah, on ira juste après, du coup. Mais ouais, on va passer au-dessus de chez toi, Toto, ça va être top. Alors, donc, on a dit, juste avant d'aller à Verbier, on va donc à Thule. Ah, à Thule, plein milieu du Groenland, je suis pas sûr qu'on va voir grand-chose à part des immenses contrées blanches. On peut checker, hein, mais... Je sais pas s'il y a du... Je suis pas sûr qu'il y ait du... Comment ça s'appelle? Je suis pas sûr qu'il y ait du relief, beaucoup, à Thule. qu'est-ce qu'on avait dit, du coup? Quito, je ne connais absolument pas. On va déjà regarder ce que c'est en termes d'endroit. Alors, Quito, on est donc en Équateur. Ah, pas mal, ça.
Ah, donc on reste quand même sur la côte de l'Amérique du Sud. Et donc là, pareil, on a un parc national. Ok, c'est quoi les échelles? Ah ouais, ça fait 20 bornes quand même. Rien que ça fait 20 bornes. Donc on va se mettre. Oh, il y a un volcan. Oh, on va aller voir le volcan. Cotopaxi. Waouh. Area nationale de récréation El Boliche. Sympathique. Je pense effectivement qu'on va se démarrer quelque part au niveau du volcan Cotopaxi. Il y a d'y avoir un paquet de cratères. Hein. Ça va être, je pense que ça va être magnifique. On va démarrer de là. Bim. Tac. Un petit alt tab des familles pour revenir sur Flight Sim. Pouf. Pouf. J'avoue, je suis impressionné quand je te voyais play. J'imaginais plus en mode truck simu des maps moyennes. Truck simulateur. Non. Vraiment, on est sur des choses qui sont assez incroyables sur Flight Sim. C'est vraiment. Il y a un plaisir, tu vois, même si moi, tu vois, je suis pas non plus un plus grand spécialiste du vol, hein, concrètement, on n'est vraiment pas dans de la simulation. Enfin, moi, en tout cas, je ne vole pas en termes de simulation. On est vraiment sur du plaisir. On démarre, on lance le truc, j'ai mon joystick, on se cale pour voler un petit peu. Il y a vraiment moyen, très très vite, de prendre énormément de plaisir sur ce jeu. C'est assez fou, quoi. Et derrière, tu peux aller chercher, tu vois, moi je l'ai récupéré là, et encore, vu la dernière mise à jour, je suis plus à jour. Tu as toute la liste des villes qui ont été réalisées en photogrammétrie, donc tout ce qui est dans le monde, plus le package spécial USA, là. Voilà. Donc tout ça sont des villes qui ont été réalisées, enfin, qu'on fait l'objet comment ça s'appelle, d'un traitement particulier. Elles ont été faites en fait un peu plus à la main, c'est-à-dire qu'ils sont basés sur des données photogrammétriques et ils sont venus construire complètement le. Oh, il a l'air de bien léger ici. Je suis pas sûr qu'on va voir grand-chose. mais au-delà de ça, en dehors de ces villes faites en photogrammétrie, on est vraiment juste avec des gros guillemets, hein. Sur un boulot fait sur des busats, quoi. Putain, il fait vraiment. Oh là là, c'est dégueulasse là. Oh là 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 là. On va pas y arriver. On n'arrivera jamais à voler. On n'arrivera jamais à voler comme ça. Surtout avec l'avion que j'ai. Oh, ah oui, d'accord. Donc là, concrètement, hein, si j'avais continué à voler dans la purée de pois qu'on vient de rencontrer, hein, je me serais bouffé le volcan direct. Bam, pleine gueule. J'avoue, je suis même pas sûr. Je vous cache pas que je suis pas du tout sûr qu'on soit en capacité de voler à cette altitude avec ce truc-là. J'ai pas regardé les plafonds max. Il se peut qu'on rencontre quelques soucis sur ce vol et qu'il faille le redémarrer. Alors pourquoi? Petite explication quand même dans tout ça. Il faut comprendre qu'un avion a quand même un plafond de vol maximal, c'est-à-dire qu'il existe une altitude. Ça sentait le crash. Ouais, ça sentait clairement le crash là. Donc en fait, chaque avion a pour vulgariser la chose, hein, une fois de plus, hein, je ne suis pas le plus grand spécialiste du monde. Chaque avion a une altitude de vol maximale en fonction de si sa cabine est pressurisée ou non, par exemple, chose comme ça. En fonction de sa capacité, ça s'appelle sa surface LR, je sais dire comme ça. Enfin, la surface que représentent ses ailes, puisque la surface que représentent ses ailes en physique va représenter la portance maximale qu'il va être en capacité d'avoir. Et il faut comprendre que plus on monte en altitude, et plus l'air va se raréfier. On aura une densité d'air qui sera beaucoup moins importante. Et donc du coup, la portance qu'on va en tirer sera également beaucoup moins importante. Et là, vous voyez, je suis plein gaz, hein. J'ai manette en butée, je suis incapable de monter plus. J'ai un vario qui est quasiment à peine positif, là, en bas à droite. J'ai un vario qui est vraiment pas énorme. Mais impossible de monter plus, quoi. Tire la mixture. Ah oui, tiens, c'est vrai ça. Ça, je connais. Ça, j'avoue que je connais assez mal. Hop, merde, pas bon bouton. Clac. Tire la mixture. C'est celle-là normalement. Ça, c'est le chauffage cabine. Manette du starter. C'est celle-là? Ça met du starter? La mixture. Hop là. Mixture à fond les ballons. J'espère que c'est celle-là. J'espère que j'ai pas tiré la mauvaise manette. La rouge doucement. Ah. Hop. Et hop. Voilà. Tout doux moulot. Là, je vous cache pas que je pense très sincèrement qu'il y a OSM là sur son fauteuil qui vient de faire un bond monstrueux. Pas tout, sinon ça coupe. Qui vient de faire un bond monstrueux. Alors là, je pense que OSM nous expliquera plus en détail ce qui vient d'être fait.
je viens de tirer la mixture, c'est-à-dire que je viens d'enrichir le mélange de kérosène qui entre dans le moteur. Je l'ai enrichi en... je ne sais pas quoi d'ailleurs. Je ne sais pas en quoi je l'ai enrichi, mais de manière à pouvoir avoir un peu plus de puissance dans le moteur. Putain, mais c'est quand même incroyablement beau là. On est sur un survol de montagne qui est incroyable. Et regardez-moi c'est cette roche toute rouge là. C'est à chaque fois qu'on survole des zones volcaniques, on se retrouve vraiment avec des surfaces qui sont incroyables. Essence, pas kéro. On n'est pas sur du kérosène sur les avions non, ça doit être les avions militaires alors qu'ils sont sur du kérosène. Ah, je pensais vraiment. Donc de l'essence, voilà. Pardon, je m'excuse, hein, je l'ai toujours dit. Je ne suis pas un spécialiste. Il m'arrive de dire de la merde, concrètement. Putain, ça c'est beau, ça. Oh la vache, ça c'est magnifique. Vous avez vu ce plan? Mais laisse-moi tranquille, va-t'en, indicateur de cap. De l'essence, d'accord, mais écoutez, tant mieux. Heureusement qu'on a des spécialistes avec nous, parce que si vous deviez écouter juste ce que j'ai à vous raconter, je pense que vous apprendriez pas grand-chose. Cet endroit est quand même assez incroyable. Il n'y a rien à dire, juste là, on est sur des... on est sur des lieux qui sont, mais juste insane. Regardez-moi ça en dessous, là. Regardez-moi ça, c'est... ça doit être des coulées de lave. Ça doit être des coulées de lave qui ont dû... qui ont dû durcir, etc. Et vous vous rendez compte de l'échelle? Vous vous rendez compte du monstre qu'on est en train de survoler, là? On apprendrait à se cracher. Ah oui, non, mais moi, complètement. Hein, moi, si vous voulez apprendre à vous cracher, il n'y a aucun souci. Ça, je sais faire. Ça, je suis un spécialiste. Sur vitesse, sous vitesse, passage sous des ponts qui sont considérés comme pas comme des ponts. Moi, tous les crashs, je connais très, très bien. Un petit roll. Ah, on peut peut-être... Le roll, on avait dit que c'était pas foufou. On risquait de bien se casser la gueule si on faisait un roll avec celui-là. Mais cet endroit, quoi. Mais je... Pouf. Et la petite route sinueuse, là, pour venir monter dans le coin, là. Enfin, c'est juste incroyable, cette zone. Incroyable. Est-ce qu'on n'aurait pas un vario un peu trop négatif, là? Si, on est en train de prendre de la survitesse, là. Ça va pas du tout. Oh là 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 là. Mais la beauté. Mais vraiment, vous me régalez. Vous me régalez à choisir à chaque fois des destinations insane comme ça. C'est juste magnifique. Oh là 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 là. Oh, ça me rend ouf. Hein. C'est juste incroyable. Incroyable. J'aimerais bien mettre quand même un petit peu... j'aimerais bien mettre un peu de nuages quand même. Pas beaucoup. Juste... ouais, ça fait déjà un peu plus réaliste. Nuage épars. Ah, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu comme ça. Ah, on est sur quelque chose d'un peu plus réaliste, quoi. Il fait un peu plus gris, du coup. C'est dommage, ça cache un peu le soleil. On va revenir sur le coup d'avant, là. Hop, on va revenir sur les quelques nuages. C'est quand même plus joli comme ça. Voilà. Ah, c'est quand même plus sympa avec des petits moutons blancs qui se baladent à droite à gauche, quand même, hein. C'est le même rapport que pour la portance, l'air étant raréfié pour un même volume, on doit diminuer le rapport mélange dans le carburateur. D'accord, ça marche, afin de concentrer le rapport de 1 volume d'essence pour 15 volumes d'air. D'accord, ça marche. Donc voilà, on aura appris au moins quelque chose d'un peu plus intéressant, c'est qu'effectivement, l'air se raréfiant avec l'altitude, il va falloir effectivement enrichir le mélange du coup en essence, afin de pouvoir garder ce rapport de 1 volume d'essence pour 15 volumes d'air. Ok. Le mec, c'est un crack de l'aviation. Oui, non, mais complètement, complètement, Toto. En fait, OSM est un pilote privé, IRL. Donc, depuis qu'il est là, on apprend énormément de choses sur nos petits vols de noob. Bon, allez, on va aller chez Toto maintenant. Maintenant qu'on a découvert cet immense volcan et cet endroit absolument incroyable. On va aller peut-être finir midi 53, on va aller finir ce vol, cette pause déj en Suisse. Donc tu m'as dit où? C'était Verbier, c'est ça, hein? Verbier. Tu l'es? On va juste regarder vite fait, Nick Rose. Je vais regarder... on va regarder juste un truc ici. Mais tu l'es... attends, tu l'es... Ah putain, maintenant, tu l'es... Tu parlais de Tulle France? Ah, je suis désolé, j'y étais pas du tout. Moi, j'étais. Mais non, mais ça s'écrit pas comme ça, Tulé en plus. Tulé dans le Groenland, ça s'écrit TH.
ULE. Thule Groenland. Bah oui, c'est ça, pardon, j'ai confondu. J'ai confondu complètement. Punaise, au passage, la vue de ta maison, ça fait rêver. Et tous les jours aux vacances. Donc ouais, effectivement, donc Thule, on ira, du coup, je sais pas comment ça se prononce, on ira voir, donc peut-être du coup au prochain coup, mais on va aller regarder, donc au-dessus, on avait dit Verbier, Bagne Suisse, on va aller voir au-dessus de chez Toto. Ah, ça a l'air sympa, dis donc. Ah, on reste quand même sur du thème montagne, hein, les loulous, hein. On n'est clairement pas sur des endroits plats. On sent qu'il y a un thème commun quand même dans nos voyages. Hein. C'est souvent la plage et les montagnes. Hein. Hop, ok, donc on va partir de là. On n'est pas très loin de Courchevel en plus. Condition de... Il fait comment chez toi en ce moment, Loulou? Est-ce qu'il fait beau? On part en condition réelle? Allez, on part en condition réelle, on va voir. Visiter AMPA, le club des avions anciens de Lausanne. Je suis pas un crack, juste un passionné. Il fait grand beau, un grand beau. Bah nickel, super, on va pouvoir faire ça, ça va être chouette. Quelle heure il est là? 55. Ouais, j'ai peur qu'on n'ait pas le temps de voir Tulle, mais on va voir quand même si on se garde ça. Sinon, promis, je me le note dans un coin et on démarre ça demain. On démarre avec Tulle demain. J'ai plus de post-it, j'ai comme des papiers. J'ai plus de post-it. Oui, j'ai du papier. Allez, Tulle, ça, c'est pour vendredi. Voilà. Ouh, effectivement, ça a l'air tout joli ici. Et c'est parti, mon kiki. Oh. Oh. Oh, mais c'est sympa, dis donc. C'est sympa chez toi, Loulou. Oh la vache. Ah ouais. Ah ouais, ça déconne pas, là. Tulle, c'était surtout une petite blague. Je suis pas sûr que ce soit super sexy. Mais je sais pas du tout, en fait. Tu sais, moi, je prends les choses au premier degré. Hein. S'il y a des villes que vous voulez voir, des choses comme ça, on prend. Hein. Oh la vache, putain, c'est beau. Ah, oh, de Dieu. Oh, je suis désolé, je fais juste une pause, là. Même si on a déjà fait notre... comment ça s'appelle? Notre screenshot pour aujourd'hui. On va quand même... s'en prendre un autre là, parce que voilà, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de bugger, tout va bien. Tu peux me rendre la main, s'il te plaît, petit garçon? Bon, tout va bien, on a un petit freeze du jeu, mais ça va venir, vous inquiétez pas. Chiang Mai, qu'est-ce que c'est Chiang Mai? Je connais pas du tout, en fait. On n'est pas loin du glacier d'hier. Bah ouais, clairement. Est-ce qu'on a freeze? Ah, j'ai peur qu'on ait freeze un peu plus méchamment que ce que je ne pensais. Chiang Mai en Thaïlande. D'accord. C'est vrai qu'hier, on était sur le glacier de pas loin de Verbier. Je crois qu'on a freeze, les loulous. Je suis désolé. Oh, mais... Qu'est-ce qui se passe-t-il? Est-ce que je vais être obligé de faire un Alt F4, un Microsoft Flight Simulator? Pourtant, il me dit pas qu'il est en absence de réponse. Ah! Ah! Le bled de Toto a fait crash. Non, mais complètement! Désolé, je dois vous laisser. Mais bisous, Odou, comme d'hab, n'hésite pas. Je sais plus si t'étais là quand je l'ai dit. J'ai mis tous les replays sont désormais disponibles sur YouTube. Mais il a pas complètement planté le machin, puisque. Ça y est! Voilà, j'ai vu une voiture passer. On a récupéré la main! On a récupéré la main, les gars. Voilà, on passe en mode vitrine. Tac, tac, tac. Et ce que je voulais faire, surtout, même si on avait déjà fait un screenshot... Ah, il y a un chalet sympa, là. Oh, putain, le chalet dans l'angle, ça va être terrible. Même si on a déjà fait... on a déjà fait le screenshot d'aujourd'hui pour la vignette, justement. Oh là là. Mais regardez-moi ça avec le... On va caler juste le soleil derrière l'avion, là. Oh là, la beauté. Oh, la beauté. Ou devant, peut-être. Devant, c'est plus sympa, comme ça on a l'angle du chalet. Ah non, derrière, c'est mieux. Derrière, c'est mieux, on va caler ça comme ça. Tac, 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 on va monter un tout petit peu. Paf, voilà. Oh là là, là je suis désolé, mais là on a. Là on a un screenshot, juste je suis désolé. Ça fait perdre un petit peu de temps, mais je pouvais pas passer à côté. C'est juste magnifique en fait. Voilà, on est reparti, on enlève la pause. C'était juste merveilleux comme angle.
Excusez-moi, du coup j'ai raté un petit peu. Donc oui, Odou, plein de gros bisous évidemment. Repasse évidemment quand tu veux, c'est toujours un immense plaisir. Il aime pas le fendant. 20 valets. Non, visiblement, ouais, le jeu aime pas trop. Le jeu aime pas trop la région, hein. Et pourtant, il nous régale. Hein. Monte à droite. D'accord, je monte à droite. Plein gaz. On va peut-être faire comme tout à l'heure, là, comme vient de nous conseiller. Hop là, pardon. Hop, tac, paf. On va tirer un peu la mixture. Tac. Et découvre la vallée du Rhône. C'est ça, là, ici? On est là, sur la vallée du Rhône? Ah, la vache. Ah, la vache. Col des Mosses, droit devant. Putain, mais c'est juste... Oh, la lune! Putain, regardez-moi, là, on voit la lune! On voit la petite lune, pardon. Du coup, j'ai oublié que j'étais plus en plein écran. Droit devant, passe la crête. Ah, putain, ça va être chaud, hein, passer la crête. Hein. On va essayer de tirer gentiment... J'ai déjà un vario positif. On va voir si on arrive à... Putain, mais vous avez vu cet endroit là? Mais Rafa, même moi, ça me donne envie d'aller skier alors que je suis une bille. Vers 2300, ça passe. Ça va être chaud, hein. C'est un petit coucou qu'on a, hein, les loulous. Hein. Faut pas croire qu'on est sur un truc de fifou là. 2 ans sans skier. Et on va aller viser. Attendez. Je vais me mettre comme. Ah, moi je vois que dalle là. On va aller viser le coin qui est là-bas parce que sinon je sens que ça passera pas. Ça va être chaud, hein, les gars. On est en légère perte de vitesse. On va rebondir, les gars. On va rebondir. Hein. Hop. On va lui faire faire juste un tout petit bond histoire de reprendre un tout petit peu de vitesse. On va rebondir. Hein. Les roues vont aller rebondir un petit peu. Non, ça passe. Boing. Hop là, le petit rebond des familles. Et voilà. Ça passe, les gars. Easy, on est large. Ça, vous savez quoi? Il y a moyen qu'on se le clip. Zut, j'avais pas allumé la tablette en cours de route. J'ai peur que le clip soit trop tard, bon c'est pas grave, on va se mettre un repère déjà. Voilà, on a mis le repère, on ira chercher ça derrière tout à l'heure. Ça se fait en vrai ça? Tu as le clip? Super. Incredible. C'est impressionnant, c'est sûr, et encore là, c'est un peu modélisé, il y a des lieux qui sont finalement refaits. Non mais c'est clair là, on a eu du cul, hein. On a vraiment eu du cul de passer. IRL, je sais pas si un vrai pilote aurait pris le risque. Bon voilà, nous on est sur une simu, donc on s'en fout un petit peu, hein, mais... Bonjour, comment ça va chez vous? Mais jamais, évidemment, jamais un pilote se fait comme ça. On préfère tranquillement faire des petites rotations et monter sur des rotations pour aller passer le truc large. Là, on est allé à la bourrin. Moi, je rappelle que moi, je suis habitué aux simulations militaires où tu mets plein gaz, t'allumes la post-combustion, t'arrives en haut de ta crête, tu fais un petit « Ouais, je passe sur le dos et je repars de l'autre côté !» Je suis un gueudin, moi. Ah là là, putain, mais la beauté de cet endroit. C'est incroyable. Bah écoutez, il est avec tout ça, avec ce petit passage, il est quand même 13h02. On va faire comme d'habitude. Je vais vous laisser sur ce plan là. Ouais, ce petit plan là qui m'a l'air assez sympathique. On va couper la cam. On va peut-être quand même se mettre un petit peu de musique sur la fin. Il faudra passer à Saint-Offange, c'est moins haut. Bah oui, bien sûr. On fait des touchés, mais sur une piste. Bah non, clairement, on fait des touch and go, mais clairement on les fait sur une piste, on les fait pas sur un sommet de montagne comme ça. Vallée du Rhône droit devant, ouais, on l'a vu effectivement. Attendez, du coup j'essaie de retrouver un petit peu le chat, comme j'aimerais voir, genre les grosses villes, Paris, etc. Mais on peut, hein, poids, faut pas hésiter justement, hein, c'est tout le principe de l'émission. C'est généralement, moi je choisis la toute première destination pour lancer le live, et derrière vous annoncez les destinations que vous voulez voir. Le moustique a tapé. Donc ouais, effectivement, c'est vraiment tout le but du jeu. Vous choisissez vos destinations, on rentre ça dans Google Maps, on met les coordonnées dans Microsoft Flights et on est parti, hein.
Et des gros bisous ma petite maman, je t'aime très très fort. Gros bisous ma maman d'amour. Et donc du coup, bah, moi je vais reprendre, on va joyeusement reprendre le taf sur ce vol fort sympathique. Encore merci à vous d'être présents, évidemment, de choisir vos destinations. C'est toujours un vrai régal de vous retrouver, c'est vraiment vraiment un régal de vous retrouver tous les midis. Moi c'est ma vraie bulle d'air au milieu du taf. Allez, sur le dos en rase-motte. Ah, on se le fera peut-être sur la toute fin. Comme vient de le mettre Mouchou, effectivement, les anciennes VOD, toutes sont disponibles sur YouTube. Celle-ci sera disponible normalement dès demain vers 13h. Celle d'hier devrait être dispo là depuis 4 minutes. Je vous fais plein de gros bisous. Je coupe ma cam, je coupe le micro et je vous laisse en vol tranquille. Plein de bisous. Merci pour ton courage, Poipois. Plein de bisous à tous. Et pour ceux qui veulent retrouver la suite d'Alan Wake, c'est ce soir 20h30. Sinon, c'est demain midi pour retrouver un prochain vol sur Flight Sim. Ciao, ciao.